avoir eu son brevet de pilote. Merde, où il est, ce petit enfoiré? À la black card de mon paternel et à ma black card. Oh putain, j'ai pas pris de son bouquin depuis que j'ai 20 ans, tu crois? Il est tombé dans les pommes, ce con. C'est la porte. Oh, tu es ça, c'est toi, rentre. Tu es dingue, tu es. Et lui a très bon front. Ouais. Wouh. Il est mort. Hum? Vous sautez d'un avion. C'est vrai que c'est dingue. Cool le téléphone. J'adore ce téléphone. Alors, c'est qui nos clients? Grant et Jason. De Californie, hein? Hein? Bah, j'espère que papa et maman vous aiment vraiment beaucoup parce que deux petits blancs comme vous, ça sent le fric. Et c'est bien, moi j'adore le pognon. Pardon, quoi, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux que je t'ouvre en deux comme ton copain? C'est ça? Ferme ta gueule! Ok? C'est moi qui ai les couilles ici! Regarde-moi, putain! Me lâche pas du regard! Hey! Connard! Regarde-moi dans les yeux! T'es ma chose! C'est moi le roi ici! Et toi, tu la fermes ou tu crèves! Qu'est-ce qu'il y a, Jason? Hein? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu rigoles plus comme Nao tout à l'heure? Pourquoi vous rigolez plus? Vous ne trouvez pas assez drôle? Moi, je sais ce qu'il y a. Dans le ciel, vous étiez sûr de gérer. Loin, en plein dans les airs, vous étiez sûr de tenir votre vie au bout de vos doigts. Mais elle, Manon, maintenant, vous êtes ici. L'atterrissage est rude. Ça va aller, on va se calmer, ça va, parce que toi, moi, et ton frérot la brute, on va bien s'éclater en attendant que le fric arrive. Arrête d'effrayer les otages, va plutôt t'occuper des rebuts. J'espère quand même que vous serez un peu plus marrant que vos amis. Allez, à plus. Vous manquez déjà, je vous jure. Salut tout le monde, c'est Genius. Aujourd'hui on se retrouve pour le début d'une toute nouvelle série donc qui va se dérouler sur le jeu Far Cry 3. Et donc voilà, un jeu absolument magnifique que je voulais absolument vous faire en vidéo. Donc on passe la phase de tutoriel, donc il nous demande de nous accroupir avec la touche A. Donc je joue sur PC évidemment. Pour record c'est beaucoup plus pratique. Et donc voilà, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Far Cry 3, rapidement je vais vous expliquer ce que c'est pendant la phase du tutoriel. Donc c'est une série de jeux, je n'ai pas joué aux deux précédents,
Le 4 est sorti il n'y a pas longtemps. Et donc c'est tout simplement une série de jeux qui se déroule souvent sur des îles. En l'occurrence le 4 c'est dans la montagne, mais voilà. Et donc nous sommes pour nous replacer dans le contexte, un américain donc du nom de Jason qui se fait capturer par des pirates. Et on se fait capturer donc par des pirates pendant une sortie en parachute, et on se retrouve avec notre frère ici, et on ramasse. Voilà. Donc on tente de s'échapper de d'ici. Donc le chef des pirates, l'homme qu'on a vu qui nous parlait, c'était donc le chef des pirates. D'accord. Donc là, première petite phase de tutoriel. Donc pour attirer les gardes, on peut lancer des cailloux. Voilà, donc j'en lance un contre la tôle, et donc du coup le garde va se déplacer. Voilà, on se déplace. Et donc notre frère va nous aider à nous échapper. C'est qui ? Grande putain de... Mon Dieu, grande, je peux pas. Jay, regarde-moi. Je retrouverai jamais Lisa, ni Riley, ni les autres, sans toi. Alors maintenant tu te ressaisis, d'accord ? Hier, vous êtes... Ok, je suis désolé. Sans déconner, c'est vrai. Au moins, c'est dans votre froc. Parce que les souvenirs, c'est impérissable. J'essaierai de me taire pendant les phases sympas du jeu. Et ensuite, on cherche à se muter d'autre façon. Hier, à la recherche. Alors, on est là, attends. Tout à coup, la porte s'est ouverte. Et il y avait trois gonzesses. Je vous dis pas. La nuit, oui. On a eu. Cache-toi dans les plantes. Super. Putain, nous apparaît comment être discret, ça nous aidera beaucoup par la suite. Il faut qu'on passe. Balance une pierre là-bas. Toi, tu te caches. Non, oui, c'est ça, tu te demandes. Ça va. On continue. J'aurais jamais dû sauter comme ça, sans savoir. J'avais promis à papa de veiller sur Riley et toi. Tu vois où est Riley sur la carte ? On va le retrouver. Après, on va libérer les autres. Et ensuite, on pourra rentrer. Quoi ? Non ! Reste en vie, Grant ! Tu as pu t'enfuir ? Hein ? Tiens le coup, Grant, allez ! Comment tu sais pas qui t'es avec ta petite gueule chante, là, ton petit téléphone ? Non ! Je te prendrai après que je voulais dire avec moi. Grant ! Grant ! Non, je respecte ça ! Je vais te donner 30 secondes ! Et si cette jungle ne t'avait pas tout cru, je le ferai. Allez, mets la merde dans les oreilles ! J'ai dit de foutre le camp, saloperie de l'opette ! Tour, Forest ! Tour ! Ok, là on doit fuir. Il vient de tuer notre frère. Donc il faut foncer.
Allez, allez, allez. C'est bon. Donc évidemment, n'oubliez pas de regarder le let's play en 1080p, hein, c'est essentiel. Ok, 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 on se barre. Ok, alors là, il y a petit saut. Hop là, c'est bon, nickel. On a bouffé, c'est pas grave. On se remet le pouce. Petite astuce du début. Au début, on vous dit pas qu'on peut se soigner comme ça. Et puis, quand vous savez faire, c'est vrai que c'est utile. Hop. Aïe. Allez, ça grimpe aux lianes. T'en bouffes pas mal, hein. Allez, 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 allez. C'est parti. On s'accroupit. Allez, on bourrine. Ça bourrine, ça bourrine. Moi j'aurais ramassé le couteau. Allez, allez, allez. Oh putain, un hélico. Salut. C'est très courageux, mais se faire bronzer sur une plage avec des pirates, c'est de la folie. Si tu le veux, tu as le droit de me tuer. Mais moi aussi, j'ai ce droit sur ta vie. Et je suis Dennis. Jason. Bangao. Lava, lava. Le héron, le requin et l'araignée. Je sais qui tu es, Jason. Tu es un guerrier. Et le tatouage permettra de révéler ta vraie nature. Écoutez, mon grand frère a été assassiné. Je dois retrouver mon petit frère et 4 de mes amis. Viens avec moi. Vous allez m'aider ? Il n'y a que toi qui puisse t'aider. Moi, je vais te libérer. Qu'est-ce que je fais ici ? Je t'ai trouvé sur la plage. Bienvenue au village d'Amanaki. Un endroit magnifique, non ? Selamat Tanggahari.
Je vous présente Jason Brody, l'homme qui a réussi à échapper à Vaas. Ton évasion est le signe que le vent a tourné. Notre peuple attendait ce genre de nouvelles. Alors, ça, c'est votre peuple ? Cette île n'accueille que les plus forts. J'y ai été appelé. Ses habitants, les Rakiat, m'ont accepté. Je fais partie de la tribu désormais. Elles sont charmantes, non ? Magnifiques, si je peux dire. J'ai droit à toutes celles que je veux. Même cœur a déjà trouvé preneur. Tiens, de quoi acheter des armes ? Tu veux sauver ton frère, n'est-ce pas ? J'ai jamais tiré sur personne. Qu'est-ce qu'on dit dans ton pays ? Rien n'est impossible aux gens décidés. Vous voulez acheter ? Donc voilà, on va pouvoir s'acheter notre première arme, donc c'est parti. Sympatoche que ta main grosse. Ok, donc au début on n'a pas vraiment le choix, vous voyez que ça s'est bloqué, donc on va se prendre le petit M1911. Alors suis-moi mon ami. Ici, salut. L'énergie provient de la jungle, de partout dans l'île. Apprends à la connaître, cela t'évitera les mauvaises surprises. Vaas utilise chacune de ses tours pour voir l'île et localiser ses sbires. Mais il y a des brouilleurs. Ce type d'appareil ne sert à rien en ce qui nous concerne. Mais à toi, ils fourniront des informations indispensables. Oui. Et ces brouilleurs sont au sommet. Chaque tour couvre une zone particulière. Sabote-les toutes et tu as accès à la carte au complet. D'accord, donc là il nous explique qu'il va falloir qu'on désactive toutes les tours radio pour avoir les éléments de carte. Donc vous voyez que si j'ouvre ma carte, d'accord, je peux pas le faire maintenant, mais si j'ouvre ma carte, en fait, elle sera toute bleue comme on voit sur la minimap et je ne verrai rien des reliefs et des zones. Voilà, donc on a notre arme. Donc voilà, ils nous apprennent à viser, tirer. Bon, je connais. Hein. C'est du FPS classique. Hop, ça monte. 1911, appuyez sur échappe. Bon, alors ça c'est, voilà, il y a un petit journal un peu à l'Assassin's Creed où on vous dit voilà quels sont les personnages, etc. Hop, bon, c'est pas très intéressant. Ça doit être la tour radio. Tac. En effet. Donc vous voyez, en fait, chaque tour radio sera différente, donc chaque manière de la monter sera différente, puisque vous allez voir que pour la monter, c'est pas si simple. Alors, serpent. Voilà. Petit serpent. On ouvre les coffres. Il me semble qu'il y en a un là-dedans. Voilà. Parfait. Le jour se lève en plus, c'est super. Tac. De l'autre côté. Donc vous voyez, au début, les premières tours sont vraiment très faciles à escalader au début. C'est pas vraiment un problème. Tac. Vous voyez, ça monte. Ça monte, ça monte. Donc je vais du coup en profiter de ce moment un petit peu calme pour vous dire comment va s'organiser la suite du let's play. Donc je vais faire deux séries parallèles sur ce même jeu. Donc je vais faire une série déjà let's play où je vais faire tout simplement le jeu classique, hein, normal. Et ensuite je ferai une seconde série donc en parallèle avec des épisodes etc. Qui sera couplé à celle-ci, qui s'appellera Chasse et Pêche. Donc c'est une chasse où je... enfin une chasse, bah oui du coup c'est une série donc où je vais aussi chasser, libérer les tours radio, etc. Et ce qu'ils vont nous montrer par la suite. Donc vous voyez, le soleil se lève, c'est vraiment super stylé.
et on pète le cadenas. Et donc, petite cinématique de tout ce qu'on a débloqué. Et voilà, mission réussie, pylône radio activé. Donc ensuite, où est... Ok, donc on utilise la tyrolienne, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique pour... J'ai failli oublier le conteneur. C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Et voilà. Efficace, hein? C'est fait. Bien. Montre-moi ta carte. Tout ce que tu dois savoir t'a été révélé par la tour radio. Les boutiques, les aventures, l'île te parle. Et les marchands viennent de loin, Jason, comme toi. Ils utilisent les tours radio pour faire du business. Et ils t'offriront des armes chaque fois que tu libéreras une tour. Le vrai guerrier doit chasser. C'est dans l'ordre naturel des choses. Regarde la carte. Choisis ton terrain de chasse. Fais confiance à ton instinct. C'est la société qui t'apprend à perdre, à la nature. Là. Bon, si tu veux sauver tes amis, tu dois connaître la jungle. Les peaux d'animaux et le cuir te permettront de porter plus d'armes et d'équipements. Les plantes peuvent être mixées pour créer de puissants médicaments pour te soigner, affûter tes sens ou t'avantager. Va, reviens me voir quand tu auras maîtrisé la jungle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis censé faire quoi? Ok, donc on va faire cette petite partie chasse, et je pense qu'après on va pouvoir aller se laisser ici. On va pouvoir se laisser tranquillou. Conduite, c'est bon, je sais faire. Donc voilà, il nous explique du coup que pour pouvoir se confectionner des équipements, il va falloir qu'on chasse, qu'on récolte aussi des feuilles pour pouvoir se créer des seringues. Donc on fera tout ça dans l'aventure chasse et pêche. Tac, on a des petits buffles ici là. Donc au début on va chasser le sanglier pour le tutoriel. Voilà. Lesquels? Bah, c'est très simple. Donc là déjà on a une feuille rouge. Donc les feuilles rouges qui servent à créer des seringues de combat. Par contre, j'ai toujours gardé le petit pistolet de début, ça va être galère. Voilà. Des petites balles. Et donc, on entend ici un sanglier. Ok. On va y arriver. Voilà, nickel, parfait. On en a tué un. Donc, du coup, après, il faut le dépecer. Et on prend sa peau. Ensuite il nous faut des feuilles vertes, donc les feuilles vertes on en voit là, donc tout est indiqué sur la carte, c'est vraiment très simple. Et voilà, donc les feuilles vertes qui servent globalement à faire des seringues médicales, donc pour nous redonner de la vie. Voilà, un truc vraiment essentiel si on veut pas s'emmerder à se mettre des petits bandages au début. Enfin comme sur le début vous voyez que je me remettais... que je me mettais des bandages, etc. Mais c'est vrai que ça soigne pas beaucoup comparé aux seringues. Alors... Ok. Il m'a surpris. On le redébusse. Et voilà, peau de sanglier. Et donc du coup, on va aller chercher une feuille bleue. Alors au début... Alors, je mets toujours un petit coup d'appareil photo parce que il peut y avoir potentiellement des crocodiles. Parce qu'il y a une énorme faune et flore sur ce jeu, donc vraiment faites toujours attention si vous allez dans la flotte. Tac, on va pouvoir aller retrouver Denis et on va retrouver Denis et je pense qu'on va mettre un terme à l'épisode. Et j'enchaînerai certainement une chasse et pêche. Jamais trop.
on n'en a jamais trop. Voilà. L'animation s'est pas déclenchée parce que il était en train de rouler par terre, donc. Hop. Et on revient. On revient au village. Donc voilà, Denis qui va être notre mentor pendant toute cette aventure. C'est lui qui va à peu près tout nous apprendre, etc. Comment devenir un bon guerrier, etc. Donc ça va surtout se concrétiser après. Bon, y a des buffles, mais je les prends pas tout de suite parce que... Comment ça, vous quittez la zone de mission? J'y fonce, là. Quoi? Mais les gars... Les gars, vous êtes sérieux? What the fuck? Je vois son icône. Déplacement rapide. Oui, bah voilà. Bah alors? Oui, non, ça je m'en fous. Sac à butin, c'est où? J'ai toujours mes deux pots, etc. Oui, j'ai tout ce qu'il faut, là. Qu'est-ce qui me saoule? Vous quittez la zone de mission. Mais what? Pourquoi il me dit que je quitte la zone de mission? Normalement, j'ai tout. Ah, d'accord, il veut que je fasse un déplacement rapide. Putain, oui. Pardon. Excusez-moi. Faut faire un déplacement rapide, voilà. Excusez-moi. C'est de ma faute. Ah oui, alors non. Voilà. Premier réflexe que je fais toujours quand je commence le jeu. Déjà là, on a plein de mun. Fusil d'assaut. Ça. Mon fusil d'assaut préféré, je pense. Et en plus, oh ouais, on va pouvoir. Ah putain, 300$. Ça peut pas se faire. Voilà. Voilà, comme ça on a de la qualité, chers amis. On a de la qualité. Là, c'est moi qui vous le dis. Regardez. Voilà. Voilà, c'est beau ça, joli viseur. Donc voilà, STG90, qu'est-ce qu'il nous dit dessus? On s'en bat les couilles. Bon bah en tout cas les amis, c'est sur cet achat d'armes et ce gros fail qu'on va terminer cette vidéo. Donc j'espère qu'en tout cas qu'elle vous aura plu. Si ce let's play vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fera beaucoup plaisir à la dame qui est ici. Et en tout cas, bah voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner aussi. Ça fait toujours plaisir, voilà, quand on est débutant. Et donc voilà, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde. Alors je me suis dit que je partagerais le butin. C'est pas mal.